Et salut tout le monde, c'est Mikra, on se retrouve pour un nouvel épisode, épisode hors série, hors sujet. On va faire l'émission annexe, donc là aujourd'hui c'est une émission annexe, et les prochains jours ce sera des missions annexes en fait. Donc si vous voulez pas voir ces missions annexes, vous voulez rester sur la mission principale, sautez les épisodes où il y a marqué HS dans le titre. Donc là on va faire cette mission annexe ici. Ouais, salut! Et voilà, tout simplement. Donc... Donc ouais. Donc il y aura le titre, je pense, de la mission dans le titre de la vidéo. J'ai découvert une figurine des DDA. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ah, les descendants de l'Arche ont placé ces petites figurines immondes absolument partout. Tu sais quoi? On va donner une bonne leçon à ces faux dieux pourris et fabriquer nos propres idoles, à mon image. Ouais, excellente idée. Depuis ma mâchoire virile jusqu'à mes mollets galbés. Commence par récupérer mes avis de recherche. Tu verras, il y en a plein. Si on veut réussir notre coup, il va nous falloir ces photos de moi pour les fourrer dans ce scanner 3D. Comme ça, on pourra imprimer des figurines qui me ressemblent trait pour trait. Et ça m'est avis que ça fera bien chier les Calypsos. Here we go. Je suis pas passé de comptable chez Hyperion à chef de guerre bandit pour redevenir un larbin. Et quand j'ai refusé de rejoindre sa secte débile, Tyrine a collé une prime sur mon petit cul potelé, et sur tout le reste aussi. Mais je suis toujours là, toujours chaud, toujours en forme. Bon, je pense que ces quêtes annexes ont un peu plus ça c'est un avis de recherche qu'a de la gueule. On voit toujours bien la main ensemble. Je sais pas comment je me suis mis à porter ça pendant la deuxième guerre des clans. Non, la troisième. Oui, parce que la deuxième, c'est la fois où j'ai déclaré la guerre à une montagne. Et devine qui est encore debout pour en parler? Au chat des montagnes! Vers le grand téléphone à courir! Je vois une fois. Il y aura peut-être un peu plus de combat dans ces missions en sujet, selon la longueur de l'épisode. J'ai aucun souvenir de cette photo, mais je comprends qu'on l'ait prise. C'est mon fidèle Hyperion Red Bar X2000 avec fermeture en mercure et soutien ajusté. Ouais, le meilleur slip de tout l'univers. C'est le seul truc bien que j'ai gardé de chez Hyperion. Ça a l'air confortable. Un petit secret qui va rester entre nous. C'est la source de ma puissance. Chut. Je me souviens du jour où j'ai pris cette photo. C'est fou les progrès qu'on a fait depuis les selfies de bandits. Parce qu'à l'époque de mon premier clan, si tu voulais une image de toi, il fallait te tartiner la gueule de sang et foutre un coup de poule dans un rocher. Ils prennent pour qui ces jumeaux Calypso des dieux? Moi, on m'a dit un jour que mes becs étaient divins. Et franchement, c'est presque pareil. Alors, courage! Je veux voir la couleur de tes tripes. Attends, ça te va bien, la décomposition. Je suis perpétuellement en chasse. T'es mort, tu sens plus, je le sais. Wouh, c'est rigolo, ça. Parfait, maintenant fourre les avis de recherche dans le scanner. Oh merde, je t'explique tout comme si t'étais débile. Excuse. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu es un spécimen de premier plan. Ouais, c'est bon, je sais. Bon, maintenant, on va remplacer les figurines pourries des DDA par les miennes et ma perfection, comme tu l'as si bien dit. Adieu les DDA!
Bonjour, faune, glorieux héros. Ouais, admirez-moi. J'ai mes propres figurines et j'ai rejoint le meilleur clan de toute la planète. Vive les pillards égarlates. Oh, j'adore cette journée. Dans vos gueules, les Calypso. Et ça, c'est ma pomme. Tu sais ce que j'aime chez les pillards écarlates? Ils pètent toutes les dents, tout en protégeant les faibles. Et ça, c'est le genre d'état d'esprit qui me plaît. Quand les Calypso vont voir ma gueule de héros, ils vont péter une durite. Et tu sais, peut-être qu'un jour, je retenterai ma chance, comme chef de guerre bandit. Mais pour l'instant, j'ai pas de problème à te suivre pour exploser la gueule des DDA. Enfin, en tout cas, merci du coup de main. Et oh, tu repasses me voir quand tu voudras, hein. Merci, chasseur de l'arche. T'as réalisé mon rêve. Ah, franchement, tout le monde devrait avoir sa propre figurine en or, non, tu crois pas? Entre nous, on n'a peut-être pas détruit les DDA aujourd'hui, mais quand ils vont voir ce qu'on vient de faire, ils vont comprendre qui c'est les boss. Ah, ça ouais. T'entends ça, Tyrine? T'as plus qu'à te convertir au culte de mes abdos. Le culte de Vaune. Mon distributeur est cassé. Oh! Comment je vais faire pour être un profiteur de guerre un an pour vendre des armes de qualité à des chasseurs de l'arche héroïque comme toi? On va réparer mon distributeur. Enfin, je dis on. C'est surtout toi. Saleté de sadique. Toujours à piquer des trucs pour bricoler leur Buzz Axe et leur bicyclette en bidoche. Il va te falloir un truc pour remplacer ce circuit. Tu sais, il y a des skags qui sont pleins d'électricité. Apporte-moi leur colonne. Tu vas devoir t'habituer à faire ce genre de trucs si tu veux survivre sur Pandore. Oh, et si t'as une petite envie de boucherie, tu peux aussi m'apporter la colonne d'un de ces couillons de bandits. Ça marchera peut-être. Trop faible pour survivre. Faibles. Vous êtes tous faibles. Occupez-vous d'eux. Voilà un de ces skags électriques. Prends sa colonne. Vas-y, ramasse-la. J'espère que t'aimes bien tripoter des viscères. Ah, parfait. Rapporte-la au distributeur. Et bouge ton cul aussi. Bouge pas, je te vise. Trouver une colonne humaine. Crève, t'as le profil parfait pour Pandore. Allez, essaie. Satisfaisant. Installe la colonne.
du bandit marchera pas. Je voulais juste me venger parce que ces trous du cul ont pété mon distributeur. Mais je te remercie de ton dévouement au capitalisme. T'as déjà la colonne d'un Skag électrique. Essaie, ça marchera vachement mieux, je te promets. Bien joué, chasseur de l'arche. Tu peux maintenant accéder à toutes mes marchandises meurtrières par un moyen bien pratique. Et pour te remercier d'avoir collé une bonne raclée à ces connards de bandits, je vais t'ouvrir ma cache secrète. Comme quoi, la vengeance, ça paie, pas vrai? Bonne chasse! Bon, pour ce premier hors-sujet, on a fait deux petites missions. Alors, c'est pas des grosses missions. Je pense que ce sera des petits épisodes. Peut-être on fera deux missions quand c'est vraiment très court sur le hors-sujet. Juste des petits trucs comme ça, au moins ça se fera des petites vidéos pour ce mois-ci. Peut-être plus. Donc si ça ne vous intéresse pas les hors-sujets, ne les regardez pas. Regardez plutôt les épisodes épisodiques. Oui. Comme ça. N'hésitez pas quand même sinon à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et surtout partager pour que la chaîne grossisse. Tout ça. Sinon on se retrouve sur des lives ou sur un prochain épisode qui sera peut-être un hors-série ou pas, on verra.